Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir la multiplication. Alors, la multiplication, son signe, c'est la petite croix. D'accord? C'est le signe de la multiplication. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va voir comment l'utiliser et quand est-ce qu'il faut l'utiliser. Alors, je vais vous montrer. Là, par exemple, on a 3 sachets. D'accord? 3 sachets dans lesquels on a 2 billes, par exemple. Alors, là, j'ai 2 billes. Ici, j'en ai 2. Et là, on en a 2. D'accord? Donc, j'ai 2 billes ici, dans le premier sachet. Dans le deuxième sachet, j'en ai 2. Et dans le troisième, j'en ai 2. Donc, on a 2 plus 2 plus 2. D'accord? 2 plus 2 plus 2 plus 2. Ce qui est égal à... J'ai 6 billes. D'accord? Donc là, c'est là qu'on va utiliser la multiplication. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, j'ai 3 sachets, 3 fois 2. 3 sachets de 2. 3 fois 2. D'accord? Donc là, on va mettre 3 fois 2. C'est là qu'on va faire appel à la multiplication. D'accord? 3 sachets de 2. Ce qui est égal à 6. D'accord? Donc là, notre exemple, par exemple, j'ai 4 sachets. 4 sachets. Et à l'intérieur, on a 3 billes. Dans chaque sachet, j'ai 3 billes. D'accord? Donc là, j'ai 3 plus 3 plus 3 plus 3. D'accord? 3 plus 3 plus 3 plus 3. Donc on va calculer 3 plus 3, 6 plus 3, 9 plus 3, 12. D'accord? On a 12 billes. 12 billes. Donc là, quand on va faire appel à la multiplication, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, j'ai 4 sachets, 4 sachets, 4 fois, 4 fois 3. J'ai 4 sachets de 3. 4 fois 3. Ça me donne 12. D'accord? Alors, on va voir notre exemple. Par exemple, j'ai... Alors... Alors, on a 5 sachets maintenant. Dans chaque sachet, j'ai 3 billes encore. 3 billes. 3 billes. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a 3 plus 3 plus 3 plus 3
plus 3, plus ce qui est égal, on va calculer, 3 plus 3, 6, plus 3, 9, plus 3, 12, plus 3, 15. J'ai 15 billes. D'accord? Donc, là, on va utiliser la multiplication. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 sachets. D'accord? On va faire 5 sachets. Fois, ça veut dire multiplier par 3. D'accord? Est égal à 15. D'accord? Voilà. Donc, la multiplication, elle sert à éviter de faire plusieurs additions. D'accord? Mais bien sûr, la multiplication doit s'apprendre par cœur. De 2 jusqu'à 9. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo et à bientôt.